dis ceci, je me dis cela, je dis ce mal pour moi. Johnny. Monsieur l'administrateur directeur général de la Fondation médicale agglutinée au Cameroun, monsieur le représentant du maire de la commune de Pété Banjoun, monsieur le curé de la paroisse de Banjoun, monsieur le médecin-chef de l'hôpital Agloutiem de Banjoun, mesdames et messieurs de l'ambulance en don de MIVA et association des amis du Cameroun en Suisse à l'hôpital Agloutiem de Banjoun qui nous abrite en ce moment. Le mot de bienvenue du médecin-chef de l'hôpital Agloutiem de Banjoun, le mot du délégué du personnel de l'hôpital ambulance ici présent. Ensuite, la photo de famille viendra et la photo de famille viendra clôturer cet événement. Sans plus tarder. Monsieur le représentant du préfet de Koundé, monsieur le représentant du maire de la. C'est avec émotion que nous prenons la parole ce jour béni de Dieu pour vous souhaiter la bienvenue dans cette région pour ceux qui viennent de loin et dans cet hôpital pour ceux qui sont dans la zone. L'événement qui nous réunit est la remise solennelle des clés d'une ambulance neuve à notre hôpital. C'est le fruit de la coopération nord-sud et du dynamisme de notre hiérarchie. Nous tenons à remercier particulièrement le docteur Hans Gunther, le partenaire privilégié de notre hôpital, qui a été à l'origine de ce projet. Avec lui, l'association suisse AAC, qui a contribué à sa réalisation, l'association Raoul Follero pour la mise en œuvre, la direction générale Agloutiem pour la coordination générale du projet. Cette ambulance va nous permettre d'améliorer la référence et la contre-référence dans notre région, et même hors de la région. Elle va être utile dans la couverture sanitaire d'événements importants dans le district. Bref, c'est un instrument indispensable pour un district comme le nôtre, pour notre commune et pour notre localité. Nous promettons d'en faire bon usage. Tout en vous remerciant d'avoir donné une suite favorable à notre invitation, nous vous souhaitons un heureux séjour à l'hôpital Agloutiem de Banjoun. Et nous prions le Seigneur ressuscité de vous raccompagner sain et sauf chez vous à l'issue de cette cérémonie. Je vous remercie. À présent, nous invitons le délégué du personnel de l'hôpital Agloutiem de Banjoun. Mesdames et messieurs, permettez-moi, au nom du personnel de l'hôpital Agloutiem de Banjoun, de vous souhaiter une cordiale et chaleureuse bienvenue au sein de notre établissement à l'occasion de la remise de l'ambulance en ce jour mémorable du 10 avril 2015. Monsieur le représentant du préfet du département du Kunki, nous profitons de cette occasion pour vous adresser nos sincères remerciements et à travers vous, le gouvernement de la République, pour sa sollicitude constante envers notre chère fondation. Sollicitude qui est une marque de confiance à cette institution et son personnel. Merci à nos partenaires qui sans cesse nous apportent leur soutien par des différents dons en matériel de travail, sans lesquels toute notre bonne volonté et engagement ne saurait apporter concrètement les soins de qualité à tous nos malades. Notre ambulance que nous recevons aujourd'hui est un outil de travail nécessaire pour l'amélioration de la prise en charge de nos malades. Cela permettra d'évacuer nos patients le plus vite possible, de les transporter confortablement, d'accompagner les cas graves dans les centres spécialisés,
de transporter les malades des centres annexes vers le centre-mer. Voici enfin notre centre hospitalier, hissé parmi les grands hôpitaux de la région de l'Ouest par ce précieux don. Pour ce qui est du climat social ici à l'hôpital, nous pouvons dire sans risque de nous tromper qu'il est serein, Monsieur la DG et Madame la Présidente. Nous devons continuer à travailler davantage pour maintenir cette sérénité et la confiance de nos malades, de notre hiérarchie et de nos partenaires. Merci à la présidente du conseil d'administration. Merci à l'administrateur directeur général pour tout leur dynamisme qu'ils déploient au quotidien pour notre épanouissement. Nous n'allons pas terminer nos propos sans remercier une fois de plus notre hiérarchie, l'administrateur directeur général, notre président du conseil d'administration, notre partenaire, le docteur Hans Gunther, eux qui ne cessent de nous encourager et de chercher à travers toutes les solutions à nos problèmes. Sur ce, nous réitérons notre ferme engagement et attachement au devoir qui nous interpelle et à l'esprit de la charte de la Fondation médicale à l'UCHEM au Cameroun. Monsieur le représentant de Madame le Préfet dans le département du Gunki, Monsieur le représentant de Monsieur le maire de la commune urbaine de Pétain, Madame la Présidente du Conseil d'administration, Monsieur l'administrateur directeur général, nous vous promettons de continuer à travailler en parfaite collaboration avec tout le monde et que vive notre fondation. Nous vous souhaitons de passer un agréable moment parmi nous et surtout bonne fête. Vive la Fondation médicale à l'UCHEM au Cameroun. Vive l'hôpital à l'UCHEM de Banjoun. Vive le Cameroun. Je vous remercie de votre immense attention. Monsieur le Préfet, merci. Ok, bonne fête. Chers collaborateurs, avant de passer la parole à Monsieur le Directeur Général de la FAD, nous sommes ici, comme l'a dit le médecin-chef, pour recevoir cette ambulance flambant neuve, œuvre des partenaires et des efforts de la FARC elle-même. Cet instrument, sûrement comme l'a dit également le représentant du personnel, va nous permettre de booster davantage nos activités dans le secteur. Je voudrais dire ici, vous le savez bien, et si vous ne le savez pas, je veux vous le dire, nous allons remettre cette ambulance dans des mains sûres, parce que le docteur Boa, c'est l'un des médecins sur qui la FARC compte. Et comme on vient de nous dire, le représentant du personnel, que l'atmosphère est sereine, le travail marche bien. Je vous félicite. Je vous félicite mille fois. Merci beaucoup. Ne peut le rencontrer, il est si lâche qu'on ne peut le
n'avons pas prévu d'allocution en tant que telle. Nous voulons dire que c'est avec un plaisir immense que nous foulons toujours le sol de nos établissements pour venir encourager le personnel et voir les conditions dans lesquelles ils travaillent au quotidien pour voir ce que la hiérarchie peut amener pour améliorer ces conditions. Je voudrais dire merci à monsieur le deuxième adjoint préfectoral du Conqui pour sa présence, sa disponibilité et surtout le soutien des pouvoirs publics à l'hôpital Adlouchem de Banjoun. Je voudrais dire également merci au médecin-chef et à madame le délégué du personnel pour les propos aimables qu'ils ont tenus à notre endroit, à nous tous. J'ai reconnu madame Mazou, qu'on a toujours vue lors des circonstances pareilles, un employé, je voulais dire un délégué, modèle, efficace, pugnace, perspicace, sagace. La circonstance qui nous réunit ici aujourd'hui est singulière. La présidente du conseil d'administration nous a demandé de l'accompagner pour venir vous remettre une ambulance médicalisée, climatisée, neuve. Cette ambulance est équipée de tout ce qu'il faut pour les soins de réanimation. Vous y trouverez un chariot brancard pour le transport aisé des patients à mobilité réduite. Vous aurez un équipement, un kit de réanimation avec bouteilles d'oxygène et d'étendeurs et tout ce qu'il faut pour réanimer et transporter des graves malades. Nous allons également installer à bord de cette ambulance un appareil d'électrochoc pour répondre vraiment au cas désespéré. Vous y avez également des masques de ventilation. Je ne voudrais plus expliquer pourquoi est-ce que la priorité a été portée sur une ambulance à Banjoun s'il n'y avait pas d'autre priorité. Vous savez, nous pouvons dire que Banjoun est au centre de la région de l'Ouest quand on prend les localités des différents chefs-lieux. Banjoun se retrouve au centre et à proximité d'un axe accidentogène, l'axe lourd Yaoundé ou Douala Bamenda passe à Banjoun. Et tous les nombreux cas d'accidents que nous enregistrons arrivent forcément ici à cet hôpital et il nous faut améliorer les moyens et les conditions d'accueil. Merci au gouvernement de la République. Comme vous le savez, cette ambulance, nous avons bénéficié de toutes les facilités pour son dédouanement, avec donc une exonération qui est désormais accordée à la Fondation à travers un accord d'établissement que le Président de la République a bien voulu accorder à notre institution et qui nous exonère de toute taxe douanière. Nous voulons
également remercier nos partenaires qui ont contribué à l'achat de cette ambulance. Je citerai Miva Suisse, l'Association des Amis du Cameroun et bien sûr nous-mêmes. Ça a été l'effort conjugué de trois institutions pour l'achat de cette ambulance. La Fondation a développé il y a quelques années son plan de développement stratégique. Ce plan de développement était essentiellement basé sur le renforcement du partenariat, le renforcement de la qualité des soins et le renforcement des ressources humaines. Pour ce qui concerne donc le partenariat, nous voyons aujourd'hui les fruits d'un partenariat dynamique, d'un partenariat positif, d'un partenariat gagnant-gagnant. Pour que le partenariat marche à la Fondation, nous avons des exigences. Nous avons besoin d'un personnel qui comprenne comment fonctionne le partenariat. Nous avons besoin des éléments à produire aux partenaires pour nous appuyer. Et comme le disait la présidente tout à l'heure, le médecin-chef de Banjul a joué pleinement son rôle pour que ce projet aboutisse en produisant à temps et même à contre-temps tous les éléments qui lui ont été demandés pour que le dossier avance. Donc nous voulons dire félicitations au docteur Boua, médecin-chef et non moins coordinateur régional de l'Ouest. Je n'insisterai plus sur la qualité des soins. Vous savez ce que vous devez faire d'une ambulance. Et je vais tout simplement dire que nous sommes disposés à mettre à la disposition de l'ensemble du personnel tout le matériel nécessaire pour vous permettre de vous sublimer, d'aller au-delà de vos performances et pour que cet hôpital soit un grand centre de référence de la région. Ici, nous avons apporté, en plus de l'ambulance, nous imaginons que
Madame la Présidente, nous vous invitons à procéder à la remise du clé de l'ambulance. Voilà les clés. Et comme nous avons dit, ces clés sont avec très bonne main. Je suis très fière de vous. Je suis très fière de tout ce que vous faites pour la population. Voilà, je sais. Merci Seigneur, merci. Merci Seigneur, merci. Je n'ai rien à te donner, mais je te dis merci. Merci Seigneur, merci. Je n'ai rien à te donner, mais je te dis merci. Merci Seigneur, merci. Je n'ai rien à te donner, merci, je dis merci. C'était une tante qui était sur une pente extrêmement rude et sur laquelle quand il pleuvait, ce qui arrivait pas souvent, mais quand ça arrivait, c'était très violent. Mesdames et messieurs, permettez à monsieur le... Disons merci à tous ceux qui sont intervenus pour que cet outil de travail arrive dans cet hôpital. Nous disons aussi merci à tous ces médecins, ces infirmiers et infirmières qui travaillent dans ce centre hospitalier pour tous les efforts qu'ils fournissent. Et Dieu seul sait combien la population est heureuse pour tout ce qu'ils font. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Le Christ, Fils de Dieu, est venu dans le monde pour rassembler ce qui était dispersé. Tout ce qui conduit les hommes à s'unir semble donc répondre au dessein de Dieu. Une ambulance est l'un de ces moyens qui permettent aux hommes de franchir les distances qui les séparent et de se rejoindre, de rendre d'énormes services aux malades. Invoquons le Seigneur pour qu'il bénisse ceux qui ont offert cette voiture, tous ceux qui ont participé à ce qu'elle soit ici aujourd'hui, qu'il protège ceux-là et leur accorde ses nombreuses grâces. Nous allons répondre, béni sois-tu Seigneur. Béni sois-tu Seigneur. Rendons gloire à Dieu, créateur de toutes choses. Béni sois-tu Seigneur. Pour l'homme que tu as créé et que tu as voulu créateur à son tour. Béni sois-tu Seigneur. Pour le travail des générations qui nous ont précédés et qui ont conduit à nos découvertes d'aujourd'hui. Béni sois-tu, Seigneur. Pour tous les gestes de solidarité accomplis sur la route. Béni sois-tu, Seigneur. Pour tout ce qui unit, pour tout ce qui relie les hommes. Béni sois-tu, Seigneur. Nous allons répondre cette fois-ci, nous te prions, Seigneur. Nous te prions, Seigneur. Supplions maintenant celui dont nous dépendons en toutes choses et pour qui nous vivons. Nous te prions, Seigneur. Pour les ingénieurs, les techniciens, les médecins, les ouvriers,
pour tous ceux qui travaillent dans l'industrie automobile. Pour le gouvernement camerounais qui a contribué à ce que cet engin puisse être offert au centre hospitalier à l'UQAM de Banjoun. Nous te prions, Seigneur. Pour tous ceux qui prennent le volant, pour ceux qui utilisent des voitures, pour les malades pour qui cette ambulance sera utilisée, et même pour les piétons, nous te prions, Seigneur. Pour ceux qui sont chargés de la sécurité sur la route, pour les personnes des services de secours, nous te prions, Seigneur. Pour les accidentés de la route et pour ceux qui y ont perdu la vie, nous te prions, Seigneur. Notre nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Nous te prions, Dieu Tout-Puissant, daigne bénir ce sel que tu as toi-même créé. Jadis tu as ordonné au prophète Élisée d'en jeter dans les eaux pour qu'elle n'engendre plus la mort. Permets, Seigneur, qu'en tout lieu où l'on répandra l'eau que nous allons mêler de sel, la présence de ton esprit éloigne l'adversaire et nous protège continuellement. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur Tout-Puissant, car tu nous as bénis dans le Christ. Tu nous as recréés en lui, qui est l'eau vive de notre salut. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. À l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant, et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur dirige nos chemins pour que nous avancions dans la paix, et que nous parvenions à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci. Et la puissance est... La première des choses qu'on va dire, c'est envers la fondation à l'UQAM, au nom du pouvoir public, je le dis grandement merci pour ce don qu'ils nous ont offert, non seulement à l'hôpital à l'UQAM, mais aussi pour la population de Banjoun, de Kunki, et je peux dire pour la population de la région de l'Ouest, parce que c'est une très grande don qu'ils nous ont offert. Et tout ce que je peux dire d'abord au médecin chef de l'hôpital qui fait bon usage de cette précieuse don qu'ils nous ont offert, et aussi pour la population, comme vous le savez, Banjoun est dans un carrefour avec la route nationale numéro 4 et numéro 5. Il y a beaucoup d'accidents qui, de temps en temps, on enregistre en route. Donc cette ambulance va effectivement nous servir pour des cas d'urgence.
ça va nous servir, ça va servir la population. Donc au nom de le pouvoir public, je tiens à dire merci grandement à la Fondation Adlution. Et je dis aussi merci pour les partenaires qui ont aidé la Fondation à acquérir cette don-là. La Fondation vient d'offrir une ambulance médicalisée à l'hôpital Adlution de Banjoun. C'est un large programme qui a commencé avec l'hôpital de Foki il y a un an et qui se poursuit pour tous les établissements qui sont situés au bord de l'axe accidentogène que constituent Yaoundé, Bafoussam ou Bamenda. Et donc, Banjoun étant à peu près un carrefour dans la région de l'Ouest, nous avons prioritairement choisi cet hôpital pour commencer à bénéficier de ses dons. Dans les années à venir, nous allons enchaîner avec Mbouda et Bafan. Une recommandation quant à l'utilisation? Nous demandons au personnel de faire un bon usage de cet outil de travail et nous invitons les populations aussi à beaucoup collaborer pour que ce don soit précieux, soit à leur avantage. Transporter aujourd'hui les malades, les accidentés, les évacuer facilement vers un centre hospitalier est un bénéfice pour la prise en charge. La SGL est là. La retraite. SGL, quoi?